L'Organisation des Nations Unies a une responsabilité énorme dans le maintien de la paix et la sécurité internationale. À ce titre, le Conseil de sécurité de l'ONU organise un ensemble d'opérations visant à aider les pays déchirés par des conflits, créer les conditions de retour à une paix durable. En fait, toutes les opérations de maintien de la paix ont pour fondement juridique la Charte des Nations Unies, notamment les chapitres 6, 7 et 8 de la Charte. Même si cette Charte des Nations Unies elle-même ne parle pas explicitement des opérations de maintien de la paix, il n'en demeure pas moins que l'article 1er de la Charte des Nations Unies dit que l'un des buts des Nations Unies, c'est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Et à cette fin, non, ces organes en charge de la sécurité collective ont pour opération de prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à le maintien de la paix. Et donc, vous avez les règles générales sur lesquelles se fondent toutes les opérations de maintien de la paix, mais aussi le fait que chaque opération de maintien de la paix est encadrée par des règles spécifiques qui lui sont propres et qui l'aident à s'adapter au contexte même de l'État sur le territoire duquel elle est déployée. Au plan doctrinal, c'est une approche qui consiste à aller aider les États qui sont en situation de conflit à retrouver la paix. C'est ça l'idée même de maintien de la paix à l'origine avec la création des Nations Unies en 1945. Mais cette notion a évolué, notamment avec la création de l'Union africaine en 2002, où une responsabilité importante avait été donnée à l'Organisation continentale dans le domaine de la paix, notamment avec l'adoption du protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc l'approche des Nations Unies, qui tend à être vraiment le maintien de la paix en tant que tel, et l'approche de l'Union africaine sont différenciées parce que l'Union africaine développe plus l'approche soutien à la paix. Alors, qu'entend-on par mission de soutien à la paix? Le soutien à la paix englobe la diplomatie préventive, la consolation de la paix, l'imposition de la paix et, disons, les missions humanitaires. Donc, c'est un vaste programme. À l'intérieur, également, le maintien de la paix. Une différence donc entre les deux, c'est que les Nations Unies, dans leur approche, interviennent quand les belligérants ont cessé les hostilités, pour donc maintenir la paix fragile entre les parties sans intervention militaire. Donc, sauf en cas de menace sur les personnels qui assurent ce maintien de la paix, là le mandat, un mandat spécial est donné à cette mission pour se défendre. Le texte portant création du Conseil de paix et de sécurité donne mandat à l'Union africaine d'intervenir en cas de trouble pour protéger les populations, pour protéger les institutions. Ça peut se faire à la demande du pays concerné qui a attaqué ou des belligérants, mais les chefs d'État, dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité, prennent une décision. C'est un organe de décision continental restreint de 15 États membres, donc qui décide d'une intervention militaire pour imposer la paix. C'est ça. Généralement, quand on parle de soutien à la paix, ce sont des missions d'imposition de la paix pour atténuer et restreindre les capacités de nuisance des deux belligérants, pour les obliger à venir sur la table des négociations. Et on peut dire qu'il y a quand même un succès de cette approche-là, parce que sur le continent, il n'y a plus de conflit ouvert entre deux États, comme on l'a connu par le passé. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des conflits asymétriques dus à la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire qu'ils nous sont imposés par les terroristes. Ce n'est pas des guerres conventionnelles. Sur le continent, l'Union africaine, composée de 55 États membres, répartis dans les 5 régions géographiquement définies par l'une des résolutions de l'OUA en 1976, l'Union africaine privilégie les missions de soutien à la paix. Elle se déploie dans cette arène
en prenant appui sur les organisations sous-régionales. Quand on a créé le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en 2002, il y a eu la prise en compte des régions. Donc, l'Afrique centrale, par exemple, c'est la CEAC qui est reconnue au niveau de l'Union africaine, pas la CEMAC. Donc, 8 CER au total sont reconnus par l'Union africaine, dont la CEAC qui couvre l'Afrique centrale. Et le principe de subsidiarité voudrait que, dans le cadre des opérations de soutien à la paix ou de maintien de la paix, que les organisations régionales jouent un rôle important. C'est-à-dire quand ça se passe en Afrique centrale, c'est l'organisation sous-régionale qui est privilégiée. Et c'est un fonctionnement qui est là. Il y a aussi des mécanismes régionaux, comme en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord. C'est les deux mécanismes qui existent. Donc, ce partenariat entre l'Union africaine et les organisations sous-régionales et les mécanismes est bien établi. Donc, les missions de paix ne sont pas faites comme ça ex nihilo. C'est des missions qui sont organisées par des textes juridiques et par des politiques qui les accompagnent. Des politiques volontaristes où on a voulu mettre tout en avant pour que la paix revienne, parce que le véritable problème de l'Afrique, c'est que nous soyons dans la paix pour assurer notre développement. En cas de conflit entre États, trois principes fondamentaux guident le déploiement des opérations de maintien de la paix. Consentement des parties, impartialité, le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat. Chacun des maillons de la chaîne est astreint à l'observation des règles de discipline. Il y a des fautes cardinales dans les opérations de maintien de la paix. Par exemple, les abus sexuels, la protection des populations civiles, de la femme, des enfants. Il faudrait avoir tous les outils nécessaires pour ne pas avoir à fauter pendant qu'on est en mission. Parce qu'en réalité, celui qui est déployé dans une mission arrive avec beaucoup d'ascendant moral sur les populations civiles affaiblies. Donc il ne faudrait pas profiter de cet ascendant moral pour pouvoir commettre des abus, pour pouvoir enfreindre la discipline des missions. Sur le terrain des opérations du maintien de la paix, de la fonction publique internationale en général, le Cameroun veut davantage affirmer sa présence, gagner en notoriété. Sur les 13 ou 14 missions de maintien de la paix actuellement en exercice sur la planète, une bonne partie, une très bonne majorité se déroule dans notre aire géographique, en Afrique subsaharienne, de manière globale, et que le Cameroun, qui dispose d'une expertise avérée, n'est-ce pas, est pourtant très peu présent avec ses hommes, avec son savoir, dans ses missions de maintien de la paix. C'est un fait général. C'est un fait général que vous observez même dans les organisations internationales de manière un peu plus globale, c'est-à-dire qu'il y a une présence résiduelle des compétences camerounaises. C'est fort de tout cela que le chef de l'État, chef de la diplomatie, n'est-ce pas, nous a engagé le ministère des Relations extérieures à prendre des actions concrètes, n'est-ce pas, qui, à terme, vont conduire à un meilleur, un plus grand rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Dans la phase pilote du projet, et pour rester en harmonie avec les orientations du chef de l'État, des sessions préparatoires sont organisées à l'intention des personnels de la présidence de la République, des services du Premier ministre, du ministère des Relations extérieures, de la magistrature, des forces de défense et de sécurité. Les modules de formation ici tiennent compte de l'objectif global du rayonnement diplomatique. Les missions de maintien de la paix s'opérationnalisent dans le cadre des relations internationales en général. Ça veut dire qu'il faut préalablement donner
n'est-ce pas, aux séminaristes une connaissance approfondie du monde international, de la société internationale, pour qu'ils soient à même déjà de la comprendre, de comprendre comment est-ce qu'elle est structurée. Et nous allons bien plus en profondeur en leur présentant les organisations internationales, l'organisation de la fonction publique internationale, puis nous devenons plus pratiques, n'est-ce pas, en abordant des thèmes comme la recherche des avis de vacances de poste, la lecture de ces avis de vacances, la rédaction du CV, la conduite d'interview, et à tout cela, à tous ces enseignements théoriques, il y a un ensemble d'enseignements pratiques. Nous mettons les participants, les séminaristes en situation avec des exemplaires de CV, des simulations d'interview, que ce soit en présentiel ou au téléphone. C'est ainsi que les modules sont conçus. Tout personnel qui est sélectionné pour une mission à l'extérieur du pays est de facto un représentant, un ambassadeur du pays à l'étranger. Ça veut donc dire qu'avant le déploiement, ils suivent des formations en ligne sur les codes de conduite. Ils devraient donc avoir ces codes de conduite comme main courante durant toute la durée de l'opération. Il est question de les mettre dans le pipe, dans les circuits qui conduit à pouvoir candidater à obtenir un poste de responsabilité. Donc, c'est le processus de recrutement dans le système de maintien de la paix dans les organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies, telles que la CEAC, telles que l'Union africaine, leur donner la logique nécessaire qui amène à compétir en un poste de responsabilité. Il n'est pas question de donner le poste, mais ils ont déjà les sous-bassements nécessaires professionnels. Comment se vendre? Comment préparer son CV? Comment lire la vacance de poste? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre à nouveau pour ajouter déjà au qualificatif professionnel que nous avons pour être retenu dans des responsabilités au niveau du système des Nations Unies? Le maintien de la paix a pour vocation de favoriser le développement des nations, faciliter le processus politique, protéger les civils, aider au désarmement, à la démobilisation, à la réintégration des anciens combattants. Il faut y voir un moyen d'organiser des élections libres, de protéger et promouvoir les droits de l'homme. Le champ d'intervention est assez vaste. Il faut noter que l'administration pénitentiaire est déployée dans plusieurs missions de maintien de la paix à travers le monde et que le volet Correction Office est un volet qui nous permet de nous retrouver constamment dans ces différents pays. La formation continue va permettre également de transmettre ces connaissances que nous avons déjà reçues aujourd'hui à ceux qui vont se présenter demain à ces missions et à notre niveau même de postuler à d'autres stages de formation pour avoir des statuts qu'on peut faire valoir sur place sans besoin de toujours voyager. La procédure en elle-même consiste déjà à remplir un CV, ce qui est appelé PHP, un Personal Profile History, qu'on va soumettre à un panel de recrutement. Et lorsque votre profil est retenu, vous passez à une interview téléphonique à l'heure et aux dates qui vous conviennent. Et à l'issue de cette interview-là, vous pouvez être déployé dans une mission des Nations Unies ou employé sur place, dont les ouvertures sont vraiment grandes. J'avoue, je n'avais qu'une idée vague des missions du maintien de la paix. Mais à travers ce séminaire, j'ai appris, j'ai pu connaître ce que les missions de maintien de la paix. J'ai appris également la procédure, comment faire pour travailler dans ces missions. De manière concrète, on nous montrait déjà ce que c'est qu'une candidature, un avis de vacances de poste, à quoi il consiste, quels sont les éléments qu'il faut relever dessus pour essayer de mieux présenter sa candidature et bien se vendre. Avec l'expérience que nous avons sur le terrain, ce séminaire nous apporte un plus, celui de la préparation aux missions de soutien de la paix. Donc, il nous a permis
de renforcer nos capacités à pouvoir affronter les épreuves de recrutement et plus tard, comment mener, comment bien mener les missions de maintien de la paix. C'est un signe d'encouragement et de continuité pour le Cameroun avec cette politique qui est très, très importante. Parce que pour participer dans les missions de la maintien de la paix, de soutien de la paix, c'est très, très important. Et ça nous donne l'occasion de contribuer au développement de la paix et sécurité dans non seulement notre sous-région, mais dans le continent et dans le monde entier. Donc je pense qu'on a déjà eu cette expérience, on était déjà à Haïti. Nous sommes actuellement en République centrafricaine et on était à Cambodge. Et tout ça, donc, il y a plusieurs pays là où on était déjà. Et je pense qu'on a cette tradition, on doit continuer avec ça. Il y a aussi une autre dimension de ça, au point de vue individuel. Ça donne l'occasion à chacun d'achever, de réaliser leur ambition. Parce qu'il y en a qui rêvent, ils ne rêvent que d'avoir une occasion un jour de servir dans une mission de maintien de la paix. Toute proportion gardée, par l'envoi des troupes, des policiers et du personnel civil, le Cameroun s'identifie dans le vaste ensemble des opérations du maintien de la paix. Il apporte le soutien politique nécessaire à la consolidation de la paix. Mesdames, Messieurs les casques bleus camerounais, en partance pour la MINUSCA, vous avez été choisis minutieusement et même sélectionnés, puis formés pour la toute première fois par des instructeurs locaux, triés sur le volet et dans des conditions viables sur ce nouveau site de Motibou. La certification de vos aptitudes opérationnelles par l'ONU a donné lieu à un véritable déploiement de compétences aussi bien locale qu'onusienne, avec recours à un concept novateur, le télétravail. Par ailleurs, le chef de l'État, chef des forces armées, qui veille et suit personnellement le déroulement de tout le processus, vient d'autoriser l'acquisition d'importants moyens logistiques destinés à améliorer de manière pérenne et significative la capacité opérationnelle du contingent camerounais. Ainsi donc, tout aura été mis en œuvre par le haut commandement pour vous doter du nécessaire pour un rendement optimal dans votre mission en RCA. Il vous revient à présent de tout mettre en œuvre, chacun en ce qui le concerne, pour faire scintiller le blason de nos armées en République centrafricaine. Le Cameroun participe bel et bien aux opérations de maintien de la paix décidées non seulement dans le cadre des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi dans le cadre de l'Union africaine. Et cette participation-là peut être individuelle ou alors collective. En ce qui concerne la participation individuelle, il s'agit par exemple du déploiement d'un membre de force de paix et de sécurité camerounais, de nationalité camerounaise, aux côtés d'une opération de maintien de la paix en soutien logistique ou en soutien stratégique, voire c'est une participation véritablement individuelle. Pour ce qui est de la participation collective, il s'agit du déploiement d'un contingent de nos forces armées sur le territoire d'un État pour aider justement au retour à la paix sur le territoire sur lequel il est déployé. C'est ce qui se fait en Centrafrique, c'est ce qui s'est passé aussi en République démocratique du Congo, c'est ce qui se passe aussi, s'est passé en Angola et dans bien d'autres pays. Disons que si on remonte, le Cameroun est présent dans les missions des opérations extérieures depuis une trentaine d'années, précisément depuis 1992. On a commencé à intervenir, on les a sollicités, dont le Cameroun a intervenu au Cambodge déjà, c'était notre première mission à l'international, donc en Asie. Donc ensuite, on s'est déployé dans des pays européens comme au Kosovo, dans les Caraïbes, en Haïti. Alors, c'est des missions mixtes. Parce que quand on parle de missions de maintien de la paix, il y a des troupes militaires,
gendarmerie, de police et de civils. Donc, à chaque fois, tout ça concourt au maintien de la paix. Donc, ces opérations nécessitent que le pays ait les capacités de se projeter. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des opérations qui coûtent cher. Donc, quand un pays se projette, c'est-à-dire quand vous êtes, d'abord vous êtes volontaire, on vous sélectionne pour aller assurer des missions de maintien de la paix, vous devez préfinancer vos activités. C'est-à-dire que le matériel militaire qui est utilisé, c'est le pays qui l'acquiert par ses propres moyens. Avoir la capacité de maintenir les troupes durant la mission, si c'est 6 mois, 3 mois, voire plus. Donc le pays doit avoir ses capacités au départ. Donc, quand vous avez acquis ce matériel qui est neuf, on vous exige d'amener un matériel qui est neuf, donc que vous achetez. Mais ce matériel revient à votre armée après. Donc il faut donc comprendre qu'un pays qui est capable de le faire, c'est un pays qui n'a pas de crainte au plan interne de se délester de certains matériels, de certains officiers ou hommes de troupes qui pourraient être utiles à l'intérieur et aller à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'en 2020, on peut estimer que les personnels camerounais dans les missions internationales peuvent s'évaluer à 1100 personnels à travers le monde, et notamment au niveau régional africain où nous avons des troupes en Centrafrique avec la MINUSCA, on a des personnels au Mali, on a des personnels au Soudan. C'est des troupes qui sont vraiment donc traitées par notre pays, et donc ça indique la capacité de projection du pays au plan militaire, au plan stratégique. Donc la participation et la contribution du Cameroun dans ces opérations qui sont à la fois géopolitiques et géostratégiques et anciennes, donc depuis longtemps, on a une expertise maintenant en tant que pays dans ces opérations. Et ça fait que très souvent, le Cameroun est sollicité pour contribuer à cause de l'expertise et de la qualité de nos personnels. Donc c'est des interventions que nous menons. Le Cameroun a eu à avoir des représentants au plan civil, des personnels qui ont été représentants du secrétaire général des Nations Unies dans les années 90. Ça s'est poursuivi encore dans les années 2000. Donc avec plus récemment un Camerounais qui était représentant adjoint dans le cadre de l'ONUCI. Et au niveau de l'Afrique centrale, on est le deuxième pays contributeur de troupes après le Tchad. Et au niveau africain, nous sommes le deuxième pays contributeur de troupes. Et aussi, ça montre un peu les capacités de déploiement d'action de notre armée et de notre police, parce que dans les troupes qui sont, les personnels qui sont déployés, on a des personnels militaires, on a des gendarmes, on a des policiers et des civils. Les gains tirés de la consolidation de la paix se situent au niveau stratégique, opérationnel et tactique. On ne peut pas dire qu'on a tout simplement un gain en termes d'intérêt logistique ou d'intérêt matériel. Parce que, ce faisant, le Cameroun participe ou contribue à l'accomplissement d'un des buts fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi de l'Union africaine. Le Cameroun participe à la stabilisation des pays en proie au conflit, mais aussi des pays qui se trouvent dans un état de trouble intérieur. Donc, en termes de gains, on a tout simplement l'image d'un pays stable qui voudrait accompagner d'autres pays à calquer leur modèle de gestion politique, mais aussi de gouvernance sur le sien. Donc, en fait, il y a cette image-là que le Cameroun prône à travers la participation de ses forces de défense et de sécurité à la stabilisation d'un autre pays. C'est déjà un gain, hein? Même si ce n'est pas un gain logistique ou matériel ou alors financier. C'est déjà un gain que de pouvoir aider au retour à la paix dans un pays. Le Cameroun, dans le maintien de la paix à travers le monde, affirme sa stabilité intérieure. La disponibilité de ses ressources humaines et ses capacités logistiques.